comme de partout où vous êtes connecté. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà là. Daddy est déjà connecté dans ce nouveau lien. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia, gloire au Seigneur. Dites-moi si vous me recevez et nous avançons dans la présence de notre Dieu. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix? Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le lien. Vous êtes connecté. Commencez à partager le lien. Invite un frère. Invite une sœur. Invite un révolutionnaire dans la présence de Dieu. Dieu nous fera du bien en ce jour, en cette nuit exceptionnelle, dans sa présence. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager le lien? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à une personne que nous sommes déjà connectés dans la présence de Dieu? C'est puissant, c'est glorieux. Bien aimé, c'est que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un en ce nouveau mois. Alors, si tu es connecté, commence à préparer tous les éléments de service. Prépare la Sainte Cène, prépare le manteau prophétique, prépare l'huile d'onction, prépare l'eau de la haute spiritualité. Nous allons prier et Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Shalalabadadi karobo shimrada, lebradade, kopradadi kantiliabrada. Lodi Kaladi Salababa, est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a une grâce exceptionnelle qui va descendre dans la vie de quelqu'un et la visitation de Dieu va se manifester. Tu es connecté, commence déjà à liker la vidéo et nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Commence à liker la vidéo, commence à liker le lien et nous avançons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ceux qui like. Alléluia, gloire à Dieu. Prépare les éléments de service. Si c'est fait, vous me dites c'est fait. Et nous avançons dans la présence de Dieu. As-tu préparé les éléments de service? Bien-aimé, cette nuit est une nuit de traversée pour un nouveau monde. Il y a une porte que tu dois commander. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a une porte que tu dois commander dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alors, si tu as déjà préparé les éléments de service, je vais prier pour tes éléments de service. Il y a une grâce bien-aimée. Cette année, c'est l'année du surnaturel. Pour les révolutionnaires, c'est l'année du surnaturel. Alors, tu ne peux pas laisser l'ennemi te surprendre. Est-ce que quelqu'un crie après moi? L'ennemi ne me surprendra jamais. Est-ce que quelqu'un peut écrire que l'ennemi ne me surprendra pas? Le diable ne me surprendra pas. L'ennemi ne me surprendra pas. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas préparé les éléments de service, bien aimé, ce live va rester en ligne. Dès que vous aurez préparé, vous pourrez suivre encore ce live. Écoutez, ce temps de puissance que nous avons, nous l'aurons maintenant à minuit, nous l'aurons à 6h du matin, nous l'aurons à 12h, à 18h, heure de Paris et à minuit, heure de Paris. Est-ce que quelqu'un a reçu ces orientations? Shaladi Kalabradusha, alléluia. Oh yes, je veux bénir tes éléments de service. Je veux bénir tes éléments de service. Il y a une grâce qui doit visiter tes éléments de service dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je viens prier pour ces éléments de service.
Je viens déclarer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ces éléments de service soient sanctifiés, soient puissants, soient redoutables, soient redoutables, soient redoutables, soient redoutables dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ces éléments de service soient redoutables, que ton manteau prophétique soit redoutable, que ton huile d'onction soit redoutable, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que la sainte scène que tu vas prendre soit redoutable, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Une onction spéciale de Dieu descend sur ces éléments pour amener la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie d'une manière exceptionnelle, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je viens consacrer ces éléments. Je viens consacrer ces éléments. Tu as préparé tes services. Bien-aimé, je viens prier pour ton service. Tu as préparé l'huile. Tu as préparé, bien-aimé dans le Seigneur, le sel, l'eau. Tu as préparé, bien-aimé, le manteau prophétique. Je bénis ce service maintenant en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ce service soit redoutable en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu entres dans un nouveau mois, tu dois savoir que le moi se consacre. Le moi se consacre. Le moi se consacre. Ne laisse personne commencer à crier et à parler sur ton moi. Tu dois être le premier à crier et à parler sur ton moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a dit que l'année 2023, cette année que nous commençons, l'année que nous commençons, cette année est une année du surnaturel. Quelqu'un peut écrire avec moi surnaturel. Tu es connecté, commence à liker la vidéo. Commence à liker le lien et nous avançons. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi surnaturel? Quelqu'un peut écrire avec moi surnaturel? Shalababababa. Quelqu'un peut écrire surnaturel? Quelqu'un peut écrire surnaturel? Shandilibradaraba. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les surnaturels. Alléluia. Répète après moi avec détermination et puissance. Je brise toute opposition satanique à ma vie, à ce nouveau moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5, j'avance. Si vous me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5, j'avance. Alléluia, 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5. Si ça bug, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter. Alléluia. Alléluia. Alors, quelqu'un peut déclarer après moi, je brise toute opposition satanique dans ma vie en ce nouveau mois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois briser toute opposition satanique. Je viens parler à quelqu'un que les oppositions sataniques en ce mois ne parleront plus contre toi. Il n'y aura plus d'opposition satanique. Voici, je répète, les orientations de prière. Ce live, nous le répétons à 6h du matin, à 12h et à 18h. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une orientation spéciale pour ceux qui vont consacrer le moi. Vous savez que le moi est consacré par le sang et par le sacrifice. Quelqu'un peut écrire avec moi par le sang et par le sacrifice. Quelqu'un peut écrire avec moi par le sang et par le sacrifice. Bien-aimé, un moi est consacré par ces deux éléments. Pendant que tu es en train de libérer les sorts, bien-aimé dans le Seigneur, tu es aussi en train de présenter le sacrifice devant le trône de Dieu pour
consacré ton moi, scellé ton moi. Le moi est consacré par le sort. Je n'ai pas dit par le sang, j'ai dit par le sort. Libérer le sort. Le moi est consacré par le sort et par le sacrifice. Et seulement par le sort et par le sacrifice, c'est ça qui donne de la puissance au service prophétique que tu es en train de faire. Alors, lorsqu'il faut consacrer un mois, bien aimé, il ne faut pas prier comme des chrétiens ou des enfants de Dieu ignorants. Tu dois prier comme quelqu'un qui comprend les réalités spirituelles. Tu dois prier avec détermination, en libérant le sort. Et lorsque tu libères le sort, tu amènes ton sacrifice devant le trône de Dieu. C'est là, bien-aimé, la chiffrologie prophétique du mois. Alléluia. Nous sommes au deuxième mois. Bien-aimé, selon la chiffrologie prophétique du mois, tu amènes devant le trône de Dieu. Il y a une orientation en privé avec le numéro des modératrices. Bien-aimé, vous allez recevoir cette orientation. Il y a un sort que tu dois libérer dans le mois. Et lorsque tu arrives au dernier jour d'un mois, au dernier jour, Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vous me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5. Bien-aimés, ne soyez pas focalisés sur la connexion. Connectez-vous au ciel. Connectez-vous à la puissance de Dieu et aux orientations données. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Si vous me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5, on avance. Shalabandali Abradoucha. Je disais, ne soyez pas connectés. Ah, n'est-ce pas? Ne regardez pas la connexion Internet, mais soyez connectés au ciel et aux orientations de Dieu. C'est très important. Alléluia. Donc, il y a des orientations dans le groupe. Il y a des orientations près des modératrices données en privé afin de consacrer le mois. Lorsque tu arrives au dernier jour du mois, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois libérer le sort, relâcher le sort. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Y a-t-il un révolutionnaire ici? Nous connaissons, chers révolutionnaires, ce qu'on appelle relâcher le sort. Nous avons déjà eu un programme. Si vous ne connaissez pas comment relâcher le sort, allez-y, bien-aimés, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Prière Révolutionnaire TV, vous tapez « Sort contre sort ». Prière révolutionnaire. Il y a tout un programme que nous avons libéré par rapport à relâcher le sort. Bien-aimé dans le Seigneur, deux choses, deux éléments fera que tu puisses réussir cette année, que tu puisses réussir l'année du surnaturel. Deux choses, première chose, tu dois apprendre à libérer le sort, à parler. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne parles pas, personne ne parlera à ta place. Si tu ne cries pas, personne ne criera à ta place. Lorsqu'il s'agit de ta vie, tu dois parler. Parler la nuit, parler le jour, parler face au soleil, parler face aux éléments de la nature. Alléluia. En même temps, oui, ma fille, tu peux posséder. Ça, ce sont des services que nous avons faits. Tu peux posséder le jour même de ta naissance. C'est très important. Nous avons parlé de ces choses et il y a des prières par rapport à cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors, commence à libérer le sort contre les oppositions. Commence à libérer le sort contre les oppositions. Je disais qu'il y a des orientations dans le groupe par rapport à ces choses. Je dis, ce mois, tu le gagneras avec des éléments. Le sort et les sacrifices. Le sort et les sacrifices. Le sort et les sacrifices. Ces deux éléments
crieront devant la face de Dieu en ta faveur. Bien-aimé, lorsque tu arrives au dernier jour du mois, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre. Cette porte spirituelle a deux choses. Cette porte spirituelle te fait sortir d'une saison et te fait entrer dans une saison. Quelqu'un entend le son de ma voix. Te fait sortir dans une saison et te fait entrer dans une saison. Alors, lorsque tu sors de la porte du mois, on va dire du précédent mois, le nouveau mois que tu entres, c'est une porte. Et dans cette porte-là, il y a des transmissions d'informations. Il y a des transmissions, bien aimées dans le Seigneur, les transferts d'informations. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et je libère ce sort dans le nom de Jésus-Christ, que quiconque a maudit ton année, cette porte où on transmet des malédictions, où l'on transmet des informations, où l'on transmet des réclamations, que cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de te dire, aucune mauvaise chose n'entrera dans ce nouveau mois. Libère le sort. Celui qui a parlé contre toi devant le soleil, celui qui a parlé contre toi devant les éléments de la nature, celui qui a parlé contre toi la nuit dans des réunions de sorcières, j'ai des qu'il soit localisé au nom de Jésus-Christ. Aucune mauvaise chose n'entrera dans le nouveau mois. Porte, élève tes linteaux. Porte du nouveau mois. Porte du nouveau mois. Les portes spirituelles. Les portes spirituelles. Écoutez le son de ma voix. Je parle selon l'onction de Dieu. Établi sur l'autel d'Ésaïe 45, verset 2. Je parle, porte spirituelle, écoutez le son de ma voix. Je déclare, aucune mauvaise chose libérée sur ma vie ne peut entrer dans le nouveau mois. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cette parole? Quelqu'un peut libérer le sort? Libère le sort et commande-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le service précieux et puissant que tu vas faire seulement à minuit. Parce que pendant les 5 jours du mois, les 5 premiers jours du mois, bien-aimé, ce ne sont pas des nuits que tu peux dormir comme ça. Ce sont des nuits de service. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Si vous me recevez 5 sous 5, dites-moi 5 sous 5. Il y a deux éléments qui feront que vous puissiez réussir dans ce nouveau mois. Le sort. Dieu m'a dit ce mois est un mois de sort. Le mois de février, c'est le mois le plus compliqué de l'année. C'est le mois, tantôt il y a 29 jours, tantôt il y a 28 jours, tantôt l'année passée. Si tu es né le 29 février, cette année qui a 28 jours, bien-aimé, tu ne peux pas célébrer ton anniversaire. C'est un mois crucial. My God! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est un mois crucial. Tu ne peux pas, bien-aimé, entrer dans un mois aussi crucial de cette façon. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi 5 sur 5 et j'avance. 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Maintenant que le porte spirituel écoute l'information, les commandements que tu es en train de donner, que le porte spirituel, bien-aimé, parle aux portes spirituelles. Bien-aimé, nous sommes déjà entrés d'entrer ensemble avec vous, oh my God, dans ce nouveau mois. Bien-aimé dans le Seigneur, parle aux portes spirituelles. Parle aux portes spirituelles, les portes qui gèrent, qui transfèrent, les portes qui gèrent et qui transfèrent des malédictions, qui gèrent et qui transfèrent des réclamations. Parle à cette porte, au nom de Jésus-Christ, je déclare, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les portes spirituelles ne transmettent aucune mauvaise information. Porte spirituelle, je déclare, la Bible dit que la descendance d'Abraham
possédera la porte de ses adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne en ce nouveau mois la porte de tes adversaires. Tu vas posséder ce que tu déclares sur le porte. Ces choses vont arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce nouveau mois, commence à faire sortir de ta maison tout ce que l'ennemi a amené. Amène le nettoyage prophétique. Oh my God! Est-ce que quelqu'un a le soin de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Oh my God! Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Malinde le bradou, shalababa. Nous sommes en train de libérer le sort. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Bien-aimé, il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a des prières, bien-aimés, où tu montes dans le niveau surnaturel. Où tu montes dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, tu commandes. Et pour que ce que tu as commandé, tu as décrété, puisse bien-aimé dans le Seigneur se manifester dans ta vie. Tu dois bien-aimé dans le Seigneur commander, libérer le sort en associant le sacrifice. Ton sacrifice sera la signature pour consacrer le mois. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à parler aux portes. Cette malédiction est entrée où? Ce combat est entré où? Cette pauvreté est entrée où? Ce combat dans la vie de tes enfants est entré dans quelle porte? Ce problème dans le travail est entré par quelle porte? Ce problème dans ton ménage est entré par quelle porte? De la même façon que ce problème est entré dans la porte, ordonne aux portes spirituelles de faire sortir, d'expulser ces problèmes de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, Lada, Kula, Kelabrusha, Lababa, je libère les anges de Dieu. 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 La puissance des anges de Dieu. Je libère la puissance des anges de Dieu pour nettoyer les anges les plus puissants, nettoyer ma maison, là où ce combat est entré, là où ce problème est entré, là où cette pauvreté est entrée, là où cette limitation est entrée. J'ordonne, my God, j'ordonne à ce problème, j'ordonne à ce combat de lâcher ma vie. Va-t'en maintenant, va-t'en en puissant et précieux de Jésus-Christ, en puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas là seulement en train d'écrire, commence à libérer le sort. Quiconque utilisera les portes spirituelles de ma maison pour faire introduire des caméras sera localisé, frappé par la puissance de Dieu. Quiconque utilisera les portes de ma maison pour faire introduire la maladie sera localisé et frappé par la puissance de Dieu. Homme puissant et précieux de Jésus-Christ, quiconque utilisera la porte de ma maison pour introduire des malédictions sera frappé, sera localisé, frappé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je vous ordonne de prendre la porte. Sortez maintenant. Toi, maladie, sors. Toi qui entrais dans la porte de mon corps, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne maintenant. Oh my God. La dernière broche à la badaille. Aïnda libra du chalebra dada. Hallelujah. 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 Alléluia. Bien-aimé, ce que tu ordonnes, c'est ce qui va arriver. Ce que tu ordonnes, c'est ce qui va arriver. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir
sur les portes spirituelles. Je dis bien, il te donne le pouvoir. J'entends quelqu'un entendre le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? J'entends quelqu'un prier. My God. J'entends quelqu'un déclarer ses paroles. J'entends quelqu'un prophétiser. J'entends quelqu'un prophétiser. Que les anges les plus puissants puissent prendre contrôle de ma maison. Que les anges les plus puissants puissent prendre contrôle de mon bureau. Que les anges les plus puissants puissent prendre contrôle de chaque pièce de ma maison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je libère, je libère, je libère dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison. Maintenant, toute porte que les sorciers utilisent pour envoûter ma vie, pour envoûter ma destinée, pour envoûter ma vie, pour envoûter mon porte-monnaie, pour envoûter mes finances, pour envoûter mon mari, tu peux le dire, pour envoûter ma femme, pour envoûter mes enfants, pour envoûter ma maison. Maintenant, 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 je déclare que cette porte expulse, 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 expulse dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ, dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ, que cette porte expulse les maladies, l'envoûtement. Ça n'a plus de place. Toute sorcellerie qui était faite devant ma porte d'entrée, toute sorcellerie qui était faite devant ma porte d'entrée, dans ma chambre, dans mes chambres, dans chaque pièce de ma maison, toute sorcellerie qui a été faite, toute chose qui a été déposée d'une façon, d'une manière mystique dans ma maison, reçois le feu, 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 reçois le feu, reçois le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu localise, localise, localise toute chose mauvaise qui a été placée dans ma maison d'une manière mystique la nuit, le jour, maintenant, 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 que le feu de Dieu le localise, que le feu de Dieu le localise, maintenant, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déterre. Je déterre, je déterre, je déterre par la puissance de Dieu toute chose qui était placée dans ma maison la nuit, le jour, toute chose qui a été placée dans ma maison la nuit, le jour, je le déterre en puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher ami, voici la chiffrologie prophétique de ton sacrifice. Bien-aimé, puisque nous entrons au deuxième mois, le chiffre 2, c'est le chiffre du double témoignage. Dieu va te donner un double témoignage. Alors, dans la chiffrologie prophétique, 2, 0, 2, 3, ça c'est première catégorie. Je répète encore, 2, 0, 2, 3. Il n'y a que deux catégories. Deuxième catégorie, 2, 0, 3. Ou 2, 0, 5 ou 7, cet chiffre est prophétique. Ces chiffres plutôt sont prophétiques. Est-ce que quelqu'un a saisi? Première catégorie, 2, 0, 2, 3. Deuxième catégorie, 2, 0, 3. Ou bien 2, 0, 5 ou bien 2, 0, 7. Il y a deux catégories. Est-ce que quelqu'un a saisi cela? Il y a des orientations, bien-aimés, à faire dans la présence de Dieu afin de libérer le sort. Je répète encore, pour la chiffrologie prophétique de ton sacrifice, bien-aimés, première catégorie,
2-0-2-3. Deuxième catégorie, 2-0-5. Ou bien 2-0-7. Ou bien 2-0-3. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Chère modératrice, donnez-nous quelques numéros de téléphone. Donnez-nous quelques numéros de téléphone, chère modératrice. Alléluia. Brise les oppositions. Libère le sort contre les oppositions. Il y a des oppositions depuis que tu as commencé cette année. Il y a des oppositions depuis que tu as commencé l'année. Tu sens que dans un domaine de ta vie, il y a des oppositions. Tu sens que dans un domaine de ta vie, il y a des oppositions. Voici un numéro de WhatsApp du ministère. Plus 32 400 92 42 94 52. Vous pouvez joindre ce numéro par WhatsApp et vous aurez toutes les informations et les recommandations par rapport au service. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle opposition a commencé depuis cette nouvelle année? Tu as commencé une nouvelle année, mais tu y es dans les oppositions terribles. Les oppositions sont dans ta vie. Voici un deuxième numéro. Plus 596, 696, 20, 77, 58. Il y a des oppositions. Bien-aimés, en ces nouveaux mois, libère le sort contre les oppositions. Libère le sort contre les oppositions. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sort que tu vas libérer contre les oppositions va crier en ta faveur. Quelqu'un a le son de ma voix. Libère les oppositions. Libère le sort contre les oppositions. Bien-aimé, la puissance de Dieu va s'opposer à toute personne qui s'oppose contre toi. Hey, tu ne m'as pas saisi. Tu as loupé une occasion de faire monter le fire. Oh my God. Voici encore un autre numéro du ministère. Plus 32, 466, 42, 54, 64. Je tiens ici à dire aux enfants de Dieu, ce sont les numéros que nous donnons, que vous devez prendre contact avec le ministère. Bien-aimés, lorsque quelqu'un vient vous aborder en privé, parlant au nom du ministère, que vous ne connaissez pas, ne faites pas confiance à une telle personne. Nous recevons des messages de plusieurs révolutionnaires. Il y a même un révolutionnaire qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, Daddy, je viens d'envoyer, n'est-ce pas, le don pour l'orphelinat. J'ai envoyé le don pour l'orphelinat que vous êtes en train de faire au Nigeria. Daddy, j'attends des recommandations de prière, une bénédiction de ta part. Mais j'ai dit, ma fille, nous n'avons pas un orphelinat au Nigeria, mais elle a été accostée par une personne mal intentionnée pour lui demander de l'argent. Vous savez, bien aimé, que dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous avons des voix, des numéros que nous vous donnons. En dehors de ces numéros, ne faites pas confiance. Vous ne savez pas tout ce qui se passe sur le net. Il y a tellement de choses. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important, lorsque nous donnons les numéros de téléphone, que vous puissiez noter ces numéros de téléphone. Alléluia. Et lorsque même vous faites, bien aimé, un service par PayPal, vous devez bien vérifier. Le PayPal du ministère, c'est prière révolutionnaire 01@gmail.com. Je dis bien 01. Il y a des personnes mal intentionnées qui ont créé le même PayPal, mais ça manque le 01. Et peut-être, cher ami, lorsque tu as fait ton service,
tu as envoyé par PayPal, tu n'as pas vérifié le 01, c'est tombé, bien-aimé dans le Seigneur, dans les mains des escrocs et dans les mains des serviteurs de Satan. Nous avons reçu, bien-aimés dans le Seigneur, des nombreuses, n'est-ce pas, personnes qui nous ont dit, Daddy, voilà, je fais mon sacrifice, mon service dans ce contact PayPal. Mais lorsque nous avons regardé, la personne, les personnes écrivaient souvent prièrerevolutionnaire@gmail.com. Non, cher ami, avant de valider, vérifiez bien que ce soit prièrerevolutionnaire01@gmail.com. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Écoute, cher ami, les oppositions dans ta vie doivent se terminer. Je disais que les oppositions dans ta vie doivent se terminer. Je pensais que tu m'avais compris. Dieu s'opposera à ce nouveau mois, à tes ennemis. Les chiffres 2, c'est les chiffres de témoignage. Pourquoi nous associons les services avec le sacrifice? C'est le sacrifice bien-aimé dans le Seigneur qui devient une signature. C'est le sacrifice bien-aimé dans le Seigneur qui perce le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le sacrifice qui fait que Dieu libère un ange avec un vol rapide pour te rencontrer et pour amener ta réponse. C'est le sacrifice, cher ami, avec tes prières, qui fait que les anges de Dieu soient libérés. Tes sacrifices engagent les anges en ta faveur. Alors, les chiffres 2 pour toi, ça sera les chiffres de double témoignage. Double témoignage. Quelqu'un dit avec moi double témoignage. Et je prophétise, je libère le sort en déclarant que là où dans ta vie, il y avait opposition, dans les domaines de ta vie où il y avait opposition, que Dieu te donne un double témoignage. Que Dieu te donne un double témoignage. Oh my God! Je dis que Dieu te donne un double témoignage. Ainsi l'homme de Dieu a parlé, venant de la part du Seigneur. Je disais que Dieu te donne un double témoignage. Alors, je brise les oppositions qui s'opposent à mon témoignage. Je brise toute opposition. Bien-aimé, en ce nouveau mois, les oppositions seront brisées en nos puissants et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de voir le Seigneur briser les barrières dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de briser les barrières. Il est en train de briser les oppositions. Il y a un domaine qui te résiste. Et dans ce domaine-là, Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Il te donne le témoignage dans ce domaine-là. Double témoignage. Quelqu'un crée avec moi double témoignage, comment? Oh yes. Alors que tu as ton manteau prophétique, je voudrais que tu poses ton manteau sur ta tête. Le manteau prophétique est un instrument de transfert. Est un instrument de transfert. C'est un instrument de puissance. La Bible dit, alors que Élie était enlevé, Élie demande à Élisée, que veux-tu que je te laisse? Élisée va dire à Élie, je veux que tu me laisses la double portion. La double portion de ton onction. Il dit, ce que tu demandes, lorsque tu me verras seulement monter, c'est alors que tu recevras cela. Et la Bible est en train de me dire que alors que Élie était monté, Élisée a vu char de feu, le char de feu et sa cavalerie. Il a vu le char de feu et sa cavalerie. Il a vu les chars de feu. Bien-aimé, les gens ne vont plus te comprendre cette année. Cette année, les gens ne vont plus te comprendre. Ils te chercheront la nuit. Ils verront le feu. Ils viendront jeter le fétiche dans ta maison. Ils verront l'ange de l'Éternel le poursuivre. Ils viendront jeter des mauvaises choses dans ton bureau. Ils seront poursuivis par le feu. Quelqu'un crée avec moi char de feu. My God.
Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Come on. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi sert de feu? Oh, partage le lien. Chère modératrice, partagez le lien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, lorsque Élisée a vu le char de feu, il a crié, char de feu! Char de feu! Dieu descendra en ce nouveau mois dans ta vie, dans la dimension de fire. Le fire va monter. Le fire va s'amplifier. Il n'y a plus de place pour l'ennemi Satan. Le fire va s'amplifier. Et dans chaque pièce de ta maison, le fire, là où il y avait des rongeurs maléfiques, là où il y avait des insectes maléfiques, là où il y avait des éléments maléfiques déposés dans ta maison, le feu, le feu, le feu. Quelqu'un dit avec moi, fire, ya, fire. In the mighty name of Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un t'a le son de ma voix? Et la Bible dit, lorsque Élisée a vu Élie monter, Élisée a dit, il a crié, char de feu. Il a vu, il a dit, lorsque tu me verras monter, il a crié, char de feu et sa cavalerie. Quand il a crié ainsi, Élie a enlevé son manteau et il a laissé son manteau. Il a donné son manteau. Élisée a récupéré le manteau. C'est là même la source du manteau prophétique. Tu as dans tes mains un instrument de puissance. Tu mets le manteau sur la tête, comment? Tu as dans tes mains un instrument de puissance pour humilier les œuvres de l'ennemi. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de témoignages qu'il y a au travers du manteau prophétique. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre de témoignages qu'il y a au travers du manteau prophétique dans les groupes. Dans la chaîne YouTube de la Prière Révolutionnaire TV, il y a des témoignages et des témoignages. Vous aussi, vous avez déjà vécu les miracles de Dieu avec les manteaux. Et la Bible est en train de dire, lorsque Élisée prend le manteau, il arrive devant le Jourdain, il prend le manteau, il frappe. Devant le Jourdain. Et la Bible est en train de dire, quand il a frappé l'eau de Jourdain, l'eau s'est séparée en deux parties. Il a crié, où est le Dieu d'Élie? Le manteau, bien aimé, c'est un signe de transfert. Tu peux activer ton manteau. Il y a des manteaux qui doivent être fortifiés. Il y a des manteaux qui doivent être renforcés. C'est un élément de service. Si ton manteau ne libère plus le feu, tu dois renforcer ça, cher ami. Si ton manteau ne libère plus la puissance de Dieu, tu dois renforcer ça. Nous ne croyons pas au manteau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Il y en a qui ont des manteaux inopérants. Il y en a qui ont des manteaux, ils ont gardé ça dans l'armoire, ils n'utilisent plus. Si c'est ce genre de manteau-là, ne mets pas ça sur la tête. La foi est une folie. Les choses spirituelles, lorsque vous n'avez pas la compréhension spirituelle, vous allez prendre ça comme de la blague. Et pourtant, la puissance de Dieu est relâchée. Oh my God! Si tu as un manteau renforcé, fortifié, et tu pries avec ça, pose ce manteau sur ta tête. Reçois le transfert de la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est un élément qui va humilier la pauvreté. Ça va humilier les œuvres du ténèbre. Ça va humilier les œuvres maléfiques. Et l'éternel Dieu, tu deviens un mystère pour tes ennemis. Tu deviens un mystère. Personne ne peut te cerner. Et là où l'on t'a placé, dans la prison t'a placé, j'appelle la grâce de Dieu de te localiser maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout esprit de limitation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu te visite maintenant. Et que toute opposition soit brisée.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons libérer les sorts sur les envoûtements. Contre les envoûtements. Bien-aimés, que tout envoûtement contre toi échoue. Je disais, bien-aimé, tu es connecté, commence à liker. Like, alors nous avançons. Parce que la vidéo commence déjà à être signalée par des personnes mal intentionnées. Vous savez, tous ceux qui se connectent, ils ne suivent pas. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont connectés en ce moment, qui sont de cœur avec nous. Il y en a qui se connectent pour combattre. Alors, quand toi, tu es connecté, tu es révolutionnaire réellement. Si tu as la possibilité, alors like la vidéo. C'est gratuit, bien-aimé. Ça ne t'enlève rien dans ton téléphone. Vas-y, fais-le. Like la vidéo. Que Dieu bénisse tout cela. Qu'il like ce moment de live dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, libère les sorts contre les envoûtements. Aucun envoûtement ne marchera dans ta vie. Est-ce que tu peux le déclarer? Les envoûtements ne peuvent rien faire contre moi. Je bénis Dieu pour nombre 23-23. Que nombre 23-23 s'accomplit dans ta vie. L'envoûtement et la sorcellerie, la divination ne peut rien contre toi. Prends l'huile d'onction que nous avons bénie. Prends l'huile d'onction que nous avons bénie. Prends l'huile d'onction. Et vois ton front. Vois les paumes de tes mains. Vois ton nombril. Et vois la plante de tes pieds. Si c'est fait, vous me dites c'est fait, nous avançons. Chandela bradou, shalababa. Ke radababa, ke lintele yabradou, shalababa. Chale bradali ketelari abro shalabababa. Eh, hallelujah. Les envoûtements ne peuvent rien faire contre toi. Les envoûtements ne peuvent rien faire contre toi. Les envoûtements ne peuvent rien faire contre toi. Libère le sort contre les envoûtements. Toute personne qui viendra avec les envoûtements rencontrera ton Dieu. Bien-aimé, les charmes maléfiques ne peuvent rien faire contre toi. Que nombre 23-23 soit ton partage. Oh yes. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Écoute ce que la Bible dit. Nombre 23-23. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Verset Martin, la Bible dit, car il n'y a point d'enchantement contre Jacob. Ni de divination contre Israël en pareille saison. Hey! J'aime la parole. Hey! Hein? Bien-aimé, dans la dimension que tu as atteint dans la prière, est-ce qu'on peut encore t'envoûter en pareille saison? En pareille saison. En pareille saison. L'enchantement, il n'y a point d'enchantement. Il faut que, bien-aimé, que ceux qui essayent d'envoûter de la sorcellerie, il faut que dans leur camp, l'Éternel sème la confusion. Il y a des personnes qu'on n'envoûte pas. On t'a envoûté par un cadeau. Depuis que tu as ce cadeau-là, tu es envoûté. On t'a envoûté par l'argent. Depuis que tu as l'argent, tu as pris cet argent qu'on t'a donné, ça t'a affaibli dans la prière. Voilà pourquoi j'ai dit toujours à un enfant de Dieu, on te fait un cadeau. Ne sois pas pressé.
d'aller utiliser ça. Consacre ça à Dieu. On t'offre de l'argent. Tu as gagné un marché. Ne sois pas pressé. Enlève d'abord la part de Dieu. Il y a des sommes. Il y a des billets d'argent qui affaiblissent ta foi pour t'atteindre. L'envoûtement est une arme que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme t'a salué. En te saluant, il t'a envoûté. Il est parti avec ton étoile. Tu es dans une relation amoureuse. Mais les parents de cet homme ou de cette femme ont amené ça dans la sorcellerie. Ils t'ont envoûté. Ils ont créé des liens d'âme. Il y a des âmes qui ne devaient pas être unies. Il y a des âmes qui ne devaient pas être dans le lien. Mais à cause de l'envoûtement, tu es attaché mystiquement, sorcellement, avec cette âme-là, avec cet homme ou avec cette femme. Il y a l'envoûtement. Il y a des relations envoûtées. Bien-aimé dans le Seigneur, tout envoûtement sur ta vie, ça va tomber. J'ai dit tout envoûtement sur ta vie, ça va tomber. En pareille saison. Oh my God. J'ai dit en pareille saison. Il y a des gens qui ont été envoûtés pour lâcher la prière. Abandonner Dieu. Abandonner la prière. Ils ont vu que tu étais monté dans la prière. Et tu t'as brossé à ta délivrance. Tu étais proche de ta délivrance. Alors ils t'ont envoûté. Ils t'ont envoûté. Ils ont mis des pensées obscures dans ta tête. Tu commences à dire, mais tout le temps sacrifice, tout le temps hôtel, tout le temps prière, tout le temps gêné. J'ai trop gêné. Pour ces cas, j'ai trop gêné. Bien aimé, tant que tu ne vois pas des résultats palpables dans un domaine où tu cherches Dieu, continue dans les sacrifices. Monte même au-delà de ça. Continue dans le jeûne. Monte même au-delà de ça. Continue dans les hôtels. Monte même au-delà de ça. Ne t'affaiblis pas. Parce que derrière l'affaiblissement-là, peut se cacher un envoûtement. Tant que je n'ai pas... Oh my God! Jacob a dit à Dieu, il dit, je ne te lâcherai pas. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te lâcherai pas. Je ne vais pas abandonner la prière. Je ne vais pas abandonner mes sacrifices. Je ne vais pas abandonner d'établir mes alliances, d'établir mes hôtels, parce que j'ai trop fait. Bien aimé, ça peut être un envoûtement. Et c'est de cette façon que le diable t'affaiblit. Parce qu'il connaît la puissance de la prière. Il connaît la puissance de la prière accompagnée avec des sacrifices. Il connaît la puissance de la prière accompagnée avec des autels. Il connaît la puissance de la prière accompagnée avec le jeûne. Le diable le sait. Et il t'envoûte. Il y a des gens, on a dansé sur leur tête. Il y a des nudités maléfiques qui ont dansé sur vous pour vous envoûter. Bien-aimé, je parle tant qu'à voix de Dieu. Toute personne qui s'est dénudée pour t'envoûter, que cet envoûtement retourne à l'expéditeur, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur. Il va se dénuder pour t'envoûter. Il va s'envoûter lui-même en pareille saison. Bien-aimé, tu vas envoûter qui? Moi qui connais la prière. Quand je ne connaissais pas la prière révolutionnaire, tu pouvais m'envoûter. Je rentre dans la chaîne YouTube, je me sers, j'établis un programme. Quand je ne connaissais pas encore le jeûne, tu pouvais m'envoûter. En pareille saison, jamais. Quand je ne savais pas encore comment élever les hôtels, il y en a qui élèvent les hôtels, ils attendent seulement un programme. Pour... Non, bien-aimé, ta vie, ta propre vie est un programme. Tu as des défis à relever.
Seigneur nous avait dit, l'année du surnaturel, nous n'aurons seulement 4 programmes majeurs. Ou 3. 4 ou 3. 4 ou 3 programmes majeurs. Durant toute l'année. Où nous allons établir devant la face de Dieu des moments puissants. Mais ta vie est un programme. Bien-aimé, des choses que tu es en train de vivre nécessitent des temps de jeûne et prière. Les choses que tu es en train de vivre nécessitent que tu dors face contre terre. Des choses que tu es en train de vivre, que tes enfants sont en train de vivre, nécessitent des hôtels. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, là où il y a une résistance, élève un hôtel. L'hôtel parlera pour toi. L'hôtel révélera des choses. Là où il y a une résistance, établis des alliances. Là où il y a une résistance, bien-aimé, sois face contre terre dans la prière. Sacrifie tes nuits. Je parle contre toute personne qui s'est dénudée, dévêtue pour t'envoûter. Que cet envoûtement retourne à l'expéditeur. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime cette version, la version Martin. Nombre de chapitre 23, verset 23. Oh my God. Car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël en pareille saison. Il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que le Dieu fort a fait? Le mois de février, nous sommes déjà entrés au mois de février. Quelqu'un pousse des cris de joie. Quelqu'un pousse des acclamations. Quelqu'un acclame le Seigneur. Waouh! Tu es victorieux. Tu es déjà entré dans le mois de février. Nous avons dit, cher ami, deux choses te donnera la victoire en ce nouveau mois. Le sang et le sacrifice. Et nous avons donné la sophrologie du sacrifice. Première catégorie. 2, 0, 2, 3. Deuxième catégorie. 2, 0, 3. Ou bien 2, 0, 5. Ou bien 2, 0, 7. Et dans ces deux catégories de sophrologie, il y a des orientations à faire à minuit. Pendant les 5 premiers jours du nouveau mois. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Le mois de février, même scientifiquement, est un mois bizarre. Il y a des mois, si tu es né le 29 février, il y a des années où tu ne fêtes pas. Parce qu'il n'y a que 28 jours. Donc c'est un mois bien-aimé, même scientifiquement, c'est compliqué. Donc spirituellement, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu vois des choses comme ça, tu dois te dire que spirituellement, il y a quelque chose. Et je dois me consacrer. Je dois designer mon moi. L'enchantement ne peut rien faire. Bien-aimé, c'est lui qui a envoûté tes enfants pour que tes enfants ne réussissent pas. Cet envoûtement, je l'annule au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a envoûté tes enfants pour qu'ils ne trouvent pas le travail. Que cet envoûtement soit annulé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a envoûté ton mari pour que ton mari ne progresse pas. Pour que ton mari se sépare de toi. Pour que ton mari puisse abandonner les enfants. Que cet envoûtement soit annulé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a envoûté tes enfants pour te séparer de tes enfants. Te séparer de tes enfants. Que cet envoûtement soit annulé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a envoûté ta femme pour que ta femme ne réussisse pas, pour que ta femme soit malade, pour que ta femme tombe malade, pour que ta femme ne t'aime plus, que cet envoûtement soit brisé.
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et est-ce que quelqu'un est là? Je vais bénir ta sainte scène. Parce que le sang de Jésus va être libéré. Bien-aimé, le sang de Jésus va être libéré. Pendant que je parle, je brise l'envoûtement sur tes finances. Merci Saint-Esprit. Je m'élève et je brise l'envoûtement sur tes finances. Je m'élève et je brise l'envoûtement sur ton corps. Il y a des personnes qui ont le corps envoûté. Il y a des personnes, même leur intimité est envoûtée. Il y a des personnes, même leurs yeux est envoûtés. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur. La maladie que tu as, bien aimé, c'est derrière cette maladie, c'est cache des envoûtements. Il y a des envoûtements. Il y a des, bien aimé, il y a des mains. Je vous avais enseigné ces choses. Nous allons revenir sur les envoûtements. Il y a des mains que vous ne pouvez pas saluer. Vous saluez comme ça. Il vous prend tout. Jésus-Christ nous a donné cet exemple. Jésus était avec une grande foule. Pendant que je parle, prépare ta scène. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Come on. Jésus était en train de marcher avec une grande foule. Mais regarde ce qui se passe. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. Il avait une foule, une grande foule qui les pressait. Il avait une grande foule qui les pressait. La foule pressait Jésus. Mais pendant que la foule le pressait, Jésus s'arrête et il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais les disciples se posent la question, ils disent, mais Seigneur, tu ne vois pas qu'il y a une grande foule qui te presse? Les gens courent de par-ci par-là. Tu nous poses la question qui t'a touché? Mais Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui l'a touché et qui a libéré la puissance et a obtenu son miracle. Jésus était en train de nous enseigner aussi des pratiques spirituelles maléfique qui se passe. Il y a des personnes qui te touchent. Il y a des personnes qui se heurtent à toi. Il y a des personnes qui te saluent. Il y a des personnes qui te touchent. Et en te touchant, il a pris quelque chose de toi. Et il t'a transmis quelque chose, un envoûtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un envoûtement. Faites attention, pendant que vous êtes dans le marché, vous êtes dans le bus, dans les transports en commun, ou je ne sais pas où, il y a toujours des gens qui aiment bien heurter comme ça. Hein? Vous heurtez, vous touchez comme ça. Des gens, toujours, excusez-moi, je ne savais pas. Excusez-moi, est-ce que vous savez aussi qu'il y a des techniques de vol hautement spécialisées? Quelqu'un vous heurte et en vous heurtant, pendant que vous êtes distrait par cela, il a pris quelque chose dans votre porte-monnaie. Il a pris quelque chose dans votre poche. Pendant que vous êtes en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me heurtez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il a récupéré quelque chose. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ton corps devienne le feu. Celui qui te heurtera, celui qui te touchera avec des mauvaises intentions,
qu'ils soient brûlés par le feu. 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 Oh, le puissant et précieux de Jésus-Christ. Et je déclare que tu récupères, je dis que tu récupères, que tu récupères tout ce que tu as perdu par envoûtement. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des gens qui sont tactiles. Vous connaissez des personnes tactiles? Connaissez-vous des personnes tactiles? Ils aiment les toucher les mains, toucher les pieds, toucher les habits, toucher les cheveux. Vous laissez toucher partout. On vous touche les cheveux. Il vous fait un compliment ou elle vous fait un compliment. Ah, c'est joli. Hein? Ou, comment tu as fait cette coupe-là? Moi je cherche toujours à faire cette coupe. Je n'arrive pas. Toi, tu penses qu'il est en train de parler de la coupe. Or, ses mains sont envoûtées. Il dépose quelque chose sur toi. Toi qui vas dans n'importe quelle église et tu laisses n'importe qui t'imposer les mains. Voilà pourquoi la délivrance de certaines personnes sont difficiles. Pourquoi? Il y a de nombreuses mains imposées sur ta tête, des mains envoûtées. Même la Bible nous dit, n'imposez pas de mains par précipitation. Il y a des personnes comme ça. Vous avez des collègues de travail comme ça. Trop tactiles. Toi, tu crois que, oh non, non. Il est toujours comme ça. Derrière ça, peut se cacher de machines à soi maléfiques. Que l'Éternel te délivre de ça. My God. In the mighty name of Jesus. Père, sanctifie la Sainte Seine. Parce que nous voulons entrer dans la dimension du sang. Alors que nous sommes en train de commander ces nouveaux mois. Alors que nous sommes en train de diriger. Alors que nous sommes en train de consacrer ces nouveaux mois. Père, que cette sainte scène soit redoutable. Que la sainte scène que nous allons prendre soit redoutable. Que la sainte scène que nous prenons maintenant soit redoutable. Maintenant, par le feu. Fire! Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre la Sainte Seine. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Yes. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Pendant que tu prends la Sainte Seine, prophétise. Pendant que tu prends la Sainte Seine, libère les paroles. Ton corps est immangeable. Ta chair est imbuvable. Ton corps est immangeable. Et ta chair est imbuvable. Ton corps est immangeable. Et ta chair est imbuvable. Ton corps est immangeable. Déclare ça. Et ma chair est imbuvable. Ma chair, ma chair est immangeable. Et mon sang est imbuvable. Voilà. Voilà ce que tu dois dire. Ma chair est immangeable. Et mon sang est imbuvable. Déclare cela autant de fois. Ma chair est immangeable. Et mon sang est imbuvable. Ma chair est immangeable. Et mon sang est imbuvable. Ma chair est immangeable. Et mon sang est imbuvable. Bien-aimé, même les moustiques sorcelleriques ne toucheront pas ton sang. Ton sang est imbuvable. Ta chair est immangeable. Bien-aimé, on ne goûtera pas ta chair, ni ta chair, ni celle de tes enfants. Ta chair, ce mois, ne sera pas servie sur la table de sorcier.
tu ne serviras pas de nourriture à la table du sorcier. Quelqu'un me dit ça. Quelqu'un proclame cela. Quelqu'un proclame cela. Je ne servirai pas de nourriture. Je ne serai pas la nourriture à la table des sorciers. Je ne servirai pas de nourriture à la table des sorciers. Mon corps, ma chair, est immangeable et mon sang est imbuvable. Mes enfants ne seront pas servis comme nourriture à la table des sorciers. La mort n'entrera pas dans ta maison. Alors que tu as pris la Sainte Cène, la mort n'entrera pas dans ta maison. Ce nouveau mois sera pour toi le mois de la résurrection. Car tout ce qui était mort dans ta vie, Dieu le ressuscite. Les accidents ne seront pas ton partage. Les incidents ne seront pas ton partage. J'ai dit les accidents ne marcheront pas avec toi. Les incidents ne marcheront pas avec toi. Ton sang est imbuvable. Et tu ne seras pas servi comme repas dans la marmite des sorciers. Sur la table des sorciers. Aucun membre de ton corps. Shalimantou Rabadadesha. Oh my God. Aucun membre de ton corps ne sera servi comme repas sur la table des sorciers. J'ai dit aucun membre de ton corps ne sera servi comme repas. Je brise tout dysfonctionnement dans ton corps. Aucun membre de ton corps ne sera vendu dans le marché des sorciers. Je libère le sort. J'étais en train de libérer le sort. Aucun membre de ton corps ne sera servi comme repas. Ne sera vendu. Il y a des maux de tête. Tu ne sais pas, ta tête est déjà une marchandise dans le marché des sorciers. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien dans ton corps. Or que dans ton corps, celle qui sait qu'il ne fonctionnait pas là est déjà vendue dans les marchés des sorciers. Je disais, aucun membre de ton corps aucun ne sera vendu dans les marchés des sorciers. Et ce qui a été vendu, tu le récupères au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tu le récupères. Je disais tu le récupères. Je disais tu le récupères. Si on a amené ton enfant, on a amené tes petits-enfants dans le marché des sorciers, ils ne seront pas achetés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il y a des personnes qu'on a vendues, leur trompe. On a vendu leur ventre. Leur intelligence a été vendue. Il y a des enfants qui étaient brillants. Mais leur intelligence a été vendue. Je récupère ça au nom de Jésus-Christ. Je récupère ça. Tu es restauré. Oh! Je disais, tu es restauré. Je disais, tu es restauré. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, va voir ton porte-monnaie. Si c'est fait, tu me dis. Où est ton porte-monnaie? Il y a une orientation. Va voir ton porte-monnaie. Il y a une orientation. Oh my God. Oh my God. Parce que pendant que j'étais en train de prier, de libérer les sorts, Dieu a mis dans mon esprit une parole pour quelqu'un. Il y a tellement de mains noires qui ont touché
à tes finances. Bien-aimé, tu ne peux pas accomplir le destin que Dieu a avec toi si tes finances sont bloquées. Et c'est l'un des points que l'ennemi, l'une des armes maléfiques que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Et surtout si tu es un homme et une femme qui sert Dieu avec tes finances, tu as droit à cette bénédiction. L'ennemi ne peut pas toucher à tes finances parce que tes finances sont soumises à Dieu. Tes finances sont soumises à Dieu. Parce qu'avec tes finances, tu sers Dieu. Avec tes finances, tu établis ton alliance de la dîme. Avec tes finances, tu élèves tes autels. Avec tes finances, tu fais des sacrifices. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute main noire, maléfique, qui a touché tes finances, soit localisée et frappée. Lâche! 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les ouvertures, my God, que les ouvertures viennent dans ta vie. Que les ouvertures, les opportunités de finances viennent dans ta vie. Satan, tu lâches maintenant. C'est un ordre. J'ai dit, c'est un ordre. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. J'ai dit, c'est un lâche. Ces finances ne t'appartiennent pas. Ces finances ne t'appartiennent pas. Lâche. Oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tes finances sont libérées. Et alors que tu as pris le sang de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de libérer le feu des troubles. Le feu qui troublera tes adversaires. Le feu qui troublera tes adversaires. Et je libère le sort sur tes ennemis en ce nouveau mois. Qu'ils soient aveuglés. Qu'ils soient aveuglés. Bien-aimés, ceux qui ont placé des caméras dans ta maison, ceux qui ont placé des caméras dans ta vie, tout démon de surveillance et tout esprit veilleur des contrats maléfiques, tout esprit veilleur des contrats maléfiques, qu'ils soient localisés par la puissance de Dieu et qu'ils soient aveuglés, qu'ils lâchent ta vie. En nom de Jésus-Christ, tout esprit de contrôle, lâche. J'ai dit bien lâche. In the mighty name of Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, que tes ennemis soient aveuglés. Que ceux qui te cherchent dans des chambres noires soient aveuglés. Que les insectes, les rongeurs maléfiques dans ta maison, qui sont des envoyés du diable, qui sont des esprits veilleurs maléfiques, soient localisés maintenant, foudroyés par le feu. Au nom de Jésus-Christ, que les chiens maléfiques, les souris, les chats, les animaux maléfiques qui sont conduits par des esprits
Pendant que je suis en train de parler, vous savez que sur vos chiens, vos animaux domestiques, vos animaux d'accompagnement, vous savez que vous pouvez le oindre. Savez-vous que vous pouvez faire cela? Il faut que j'enseigne ces choses. C'est très important. Je pense plutôt d'avoir enseigné ces choses déjà. Savez-vous que vous pouvez oindre vos animaux de compagnie? Vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas, gloire à Dieu. Mais si vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez le oindre par l'onction. Parce que l'onction est déposée sur des choses, sur des objets, sur des personnes. Bien-aimé, vous pouvez être là avec l'huile d'onction, mon fils. Vous pouvez oindre votre maison avec huile d'onction. Vous pouvez oindre votre voiture avec huile d'onction. Vous pouvez oindre sur la tête. Vous pouvez oindre votre voiture avec huile d'onction. Vous pouvez oindre votre porte-monnaie avec huile d'onction. Mais pourquoi vous ne pouvez pas oindre votre animal de compagnie avec huile d'onction? Est-ce que vous savez que l'ennemi peut utiliser cette porte pour surveiller ta vie, pour regarder ce qui se passe? Et surtout, si l'ennemi sait que vous êtes attaché à cet animal. Quand l'Esprit de Dieu parle, Dieu ne parle pas pour rien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Surtout, quand l'ennemi sait que vous êtes attaché à cet animal. Quand l'ennemi sait que vous êtes très attaché, il habite dans votre environnement. Il habite dans votre maison. Il y a des sorciers qui ne peuvent pas vous approcher. Ils ne peuvent pas entrer dans votre maison. Mais spirituellement, ils peuvent entrer par votre animal de compagnie. Tout dans votre maison doit être consacré. Tout ce qui est dans votre maison doit être consacré. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Quand quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut leur donner la Sainte-Seine? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais je reconnais, je sais qu'il y a une révolutionnaire qui me disait, Daddy, moi, mon chien, il prend la Sainte-Seine. Ça dépend de ta foi, de ta compréhension de choses de Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire est très important. Ce que je suis en train de vous dire est puissant. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais en train de parler, Dieu m'a ouvert les yeux pour me faire voir une famille, un garçon, un jeune homme de 11 ans, qui est mordu par le propre chien. Mordu par le propre chien de la maison. Cette blessure, je vais dire, a causé des problèmes. Fortement. Et Dieu est en train de me dire qu'il épargne ton enfant de cette attaque. Il y a des animaux de compagnie habités par des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce nouveau mois, aucune caméra maléfique ne peut résister devant toi. Je disais, aucune caméra maléfique. Que le Seigneur vous bénisse. Ce live, nous le faisons à 6h, à 12h, à 18h et à minuit. À 21h, nous serons live ensemble avec vous. Les orientations de ce mois sont données. La chiffrologie prophétique est donnée déjà dans le live. Si vous n'avez pas saisi cela, écrivez aux modératrices, elles vous donneront toutes les informations. Ce mois est gagné par deux choses, deux éléments. La réussite de ce mois dépend de deux éléments.
posséder ces mois dépend de deux éléments. Premier élément, le sort. Libérer le sort. Et deuxième élément, le sacrifice. Il y a une grâce qui accompagne la vie de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à Kinshasa. Ce dimanche, ne manquez pas. Un moment d'exception dans la présence de Dieu. Vous êtes à Paris. À Kinshasa, nous sommes à Soulouterani. 9h30. Tous les dimanches. Vous êtes à Paris. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Tous les dimanches à 16h. Nous commençons. 15h, n'est-ce pas? Voilà. 15h30. Nous commençons. Nos amis des Antilles, mes amis de Paris, nous arrivons pour des moments d'exception. Et partout où le Seigneur nous enverra. Bien-aimé, ce mois est béni pour toi. Nos amis de Brazzaville, il y a des gens qui traversent de Brazzaville jusqu'à Kinshasa pour assister dans des réunions de délivrance. Vous êtes en train de louper quelque chose de puissant que vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Il y a des gens qui traversent pour venir assister et être reçus par l'apôtre. Ils passent de moments d'exception. C'est une opportunité pour nos amis de Kinshasa de saisir, bien-aimés. Si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Alors saisissez cette grâce de la part du Seigneur. Cher ami, que le Seigneur vous bénisse. C'était un privilège pour moi de bénir avec vous ce nouveau mois, de consacrer avec vous ce nouveau mois. Bien-aimés dans le Seigneur, l'eau de la haute spiritualité que vous avez après le live, vous rincez votre visage avec ça. Et à nouveau, vous sortira une nouvelle personne, prêt à vivre de grandes choses, prêt à toucher à des choses exceptionnelles. Je me réjouis déjà pour ton témoignage. Maman. Moi-même, ça m'étonne. Comment est-ce que Dieu va t'étonner? Moi-même, je me réjouis de comment est-ce que Dieu te donnera double témoignage. Je suis tellement dans la joie de voir comment est-ce que tu vas sauter en témoignant la grandeur de Dieu. Il est vivant, il est puissant. Il n'a pas changé. Il fera pour toi des grandes choses. Cher ami, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.